Et salut la compagnie, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Pray for the Gods sur PlayStation 5. Sorti officiel le 14 décembre 2021, disponible sur le PlayStation Store, PS4, PS5 et sur PC. Voyez Pray for Gods comme une copie plutôt prometteuse d'un jeu qui avait été le précepteur du genre à l'époque sur PlayStation 2. Il s'agit de Shadow of the Colossus. Nous incarnons une protagoniste, je ne vais pas non plus tout vous spoiler, qui vient sur une île où des souhaits peuvent être réalisés, une île qui est en prise à de grosses mythologies, et nous allons devoir affronter ce qui s'avérerait être des dieux, pour pouvoir réaliser une sorte de prophétie. Je découvre le jeu en même temps que vous, à savoir que le jeu de base devait sortir avec une édition physique, il sort un petit peu comme ça, dans l'ombre, en version dématérialisée. C'est pour ça que je fais ce test un petit peu en retard, même moi, le premier, je n'étais pas au courant de sa sortie dématérialisée pour le 14 décembre. Le jeu paraît plutôt assez joli, avec un style de cel shading légèrement prononcé, une pâte graphique qui va plutôt assez bien lui correspondre à ce que je vois. Diverses vidéos de gameplay sur Reddit ont déjà été visionnées. J'ai pu avoir un petit feedback de la part de certains joueurs alpha testeurs. Et de ce que j'en retire, ça a l'air assez sympa. Où est-ce qu'il est ce fameux totem? Ah mais non, mais il est... D'accord, il était en haut à droite. Donc il me faudra 3 totems pour augmenter ma vie. Que l'on voit directement à ma gauche, c'est très pompé sur Zelda quand même. Le petit cœur au centre, l'endurance qui est tout autour. Voilà. Attaquer. Avec carré. C'est donc ça, sonner des cloches. Donc là, ce que vous me voyez faire, ce sera sûrement les points faibles qui seront disposés de façon précise à divers endroits sur les titans, sur les dieux que je vais devoir affronter. Il faudra sûrement que... C'est pas évident hein, d'appuyer sur cette touche pour sauter. Est-ce que... Ah. Non, parce que là, en vrai... Ah, mais ça a l'air mieux. Ouais, non, parce que ça pue, vraiment. Ah, la config 3. Ouais, non, ça a l'air. Ouais, non, ça a l'air d'être la 3. C'est la 3, hein. Ça a l'air d'être une commande, ouais, qui a l'air plus de me parler. Parce que carré pour attaquer, croix pour sauter, etc. C'est beaucoup plus simple. Parce que là, en vrai, je commence à m'y perdre. Donc pensez à modifier les configs de vos touches. Comme je disais, les points faibles, il y a des points faibles sur les dieux que je vais devoir affronter. Il y aura sûrement plusieurs points faibles. Il va falloir les trouver. C'est un jeu qui va mélanger du tactique, du puzzle game. Vu qu'il va y avoir des strates différentes pour grimper sur ces dieux qui font X fois notre taille. De toute façon, vous le verrez dès que j'aurai le premier. La sensi est un peu haute. Mais on a un grappin. C'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de possibilités quand même que dans Shadow of the Colossus. Je vous rappelle que Wanda, que l'on incarnait dans Shadow of the Colossus, n'avait que son cheval, une épée, un arc, rien de plus. La force de ses petits bras, mais là, on a un grappin. Ça peut offrir un gameplay très très différent. Même si sur... Le fond, c'est la même chose. La forme en est tout autre. Je teste, hein, je regarde. Comment je fais pour me lâcher? Ok, donc c'est rond pour me lâcher, très bien. En fonction de... si vous marchez dans la poudreuse, que la neige est un petit peu haute, elle fera des grandes enjambées pour essayer de traverser, mais sera ralentie. Donc il va falloir... ça marche pas. Il va falloir prendre note de l'environnement qui nous entoure pour pouvoir progresser et s'adapter durant les combats. D'accord. Double rond pour faire des esquives, mais qui consomme énormément d'endurance, comme vous pouvez le voir.
En tout cas, pour l'instant, ça a l'air convaincant, ça a l'air très intuitif. C'est les développeurs et éditeurs Nomader Studios, pour l'instant, ont fait un bon taf. Ça ne marche pas ici. Voilà, en fait, ils voulaient vraiment que j'escalade, quoi. Ah, bien je crois. J'ai activé quelque chose qu'il fallait pas. Déjà le premier. Bon, ça c'est le premier boss. Si vous n'avez jamais vu le jeu, c'est une découverte pour vous, mais sachez que dans les trailers, dans les gameplays que l'on a pu nous montrer, dans les reveals, il s'agit du premier dieu. Ah ouais. Ah, il a vraiment une bonne dégaine. On n'a pas ce côté un peu celte qu'il y avait dans Shadow of the Colossus, mais. Ouais, non, non. L'écart de taille, là, on voit vraiment qu'on est petit. Ça fait le même effet que dans Shadow, c'est super. Comment je vais pouvoir lui grimper dessus? Faut trouver la fourrure, forcément. Elle a pris un recul, elle est tombée de la même façon que Wanda dans Shadow. C'est très calqué, quand même, hein. Bon, en même temps, vous allez me dire. Voilà, c'est plus simple pour atteindre le dos. Ah, je la vois, elle brille en haut. Parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, lors du premier boss dans Shadow of the Colossus, il avait une blessure au niveau de la cheville et il fallait le mettre à genoux pour pouvoir lui grimper dessus. Là, on a carrément le grappin pour nous aider. Donc en fait, ils ont des cordes tout autour d'eux. Je pense que la liaison de certaines cordes nous amène vers le point faible, tout simplement. La musique est folle, par contre. J'ai eu l'occasion d'écouter l'OST en avance. C'est incroyable. Donc faut bourriner triangle pour économiser son endurance. Mais je trouve que j'en perds pas beaucoup. J'aurais peut-être pas dû me mettre en normal. Vous avez facile, normal, difficile et un mode encore plus dur. Je pense que je passerai en difficile. Bon, ce premier boss est tout à fait basique, hein, vraiment, faut juste trouver des points faibles et puis après c'est fait. Bon, je t'ai tapé trois fois dessus. On va se calmer un peu, je vais bouger. Je peux me lâcher sans escalader. Faut pas que je m'amuse à ça en fait. C'est bon. Ok, je peux récupérer mon endurance s'il vous plaît. Merci. C'est affiché, il y a le petit halo de lumière. L'autre point faible est sur l'épaule. Et de 1. Donc il va falloir que je fasse sonner 3 fois. En fait, c'était un petit peu montré dans les phrases introductives. Sonner les cloches, sonner les cloches, sonner les cloches. Par 3. Forcément. Voilà, qui est fait. Il me fait valser. L'autre doit être sur la tête en toute logique. Oui. Quelle intuition. À croire que je n'ai pas farmé son prédécesseur des centaines d'heures avant de faire celui-ci. La caméra suit bien, vraiment. Ça nous fait pas un effet The Last Guardian parfois. Je cite The Last Guardian vu que ce sont les mêmes développeurs que ceux qui ont fait Ico et Shadow of the Colossus. Comme je ne peux pas le comparer à beaucoup de jeux hormis celui-ci. Je pourrais parler éventuellement de Extinction, mais c'est pas du tout. Enfin, il y a un style beaucoup plus arcade. Ah, je parlais de la caméra, là, on l'a vraiment eu en gros zoom. 2 fois. Donc je retire ce que j'ai dit. Pourquoi il n'est pas mort? Oh, d'accord, bon, mais il me reste les deux, en fait. Je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait, fallait vraiment que je concentre. D'accord, donc ça cumule... Non, 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 il me manquait vraiment un coup, en fait. Je l'ai pas assez bien concentré, un des trois. Voilà, ouais, ouais, il y a le petit symbole qui commence à flotter au-dessus de la cloche quand c'est terminé, donc il va falloir que je parte là-dessus. J'avais mal fait les deux premiers.
Allez, c'est l'heure de crever! Par contre, je vais me péter la gueule là, non? Comment va mourir ce colosse? Enfin, ce dieu, pardon. Est-ce qu'il va se transformer en ombre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il se raidit, peut-être? Non. Il va exploser. Ça m'en a tout l'air. Ah non, 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 il est devenu un caillou. Mais je suis où, moi, dans toute cette histoire? Je suis pas resté accroché, parce que là, des cailloux, ça a pas de fourrure pour pouvoir s'y accrocher. Un loup? Qu'est-ce qu'il veut, le loup? Est-ce un ami? Un ennemi? Un présage? Un message? Un signe? Ça a l'air d'être un ami, il a l'air de me ramener à l'endroit où je vais devoir repartir à chaque fois pour tuer un dieu. On dirait qu'il m'amène dans sa tanière pour me bouffer. Donc il y en a combien? Celui du milieu, on vient de le faire. Il y en a 5 en bas, 2 en haut. Donc 7 dieux à buter. Ouais, donc lui c'est fait. Ah non, il y a un petit symbole en dessous. On dirait un humain. Il y en a 8. Est-ce qu'ils vont nous faire le même coup que Shadow of the Colossus? Genre le 8ème, comme ça ressemble à un humain? Est-ce que c'est nous? On va devoir se flinguer à la fin. Mais attendez, s'il y en a que 8. Dans Shadow of the Colossus, il y en avait 16. On a divisé par 2 là. Ça fait beaucoup moins d'ennemis quand même. C'est dommage ça par contre. Non, il y en avait combien dans Shadow? 12? 16? Je sais plus. Un des deux, c'est sûr. Je crois que c'est 16. Je dois avoir 200 heures, 300 heures sur le jeu. Je me rappelle même plus combien de colosses il y a. Lui, c'est le prochain. C'est quoi cette chose? Un cercle au milieu avec des triangles autour. On dirait une bouche. J'ai vu quelque chose là-bas. Qu'est-ce donc? Bon, on va pas le faire forcément parce que là, ça va être du spoil, mais on va un petit peu regarder aux alentours. Oui, c'est vrai. Il y a de la bouffe. Donc oui, oui, il y a un aspect, il y a un petit aspect survival au jeu, si je me rappelle bien. Où est-ce que c'est? Ouais, donc si je mange, ouais, pendant un court instant, ça va, ouais, m'augmenter ma faim, j'ai le sommeil et le feu. Donc il faut gérer l'hypothermie, le sommeil et la faim. Donc il y a effectivement cet aspect survival dans le jeu. Là, je le mange. Ah, il y a une espèce de mini camembert qui vient d'arriver sur le côté de mon endurance. Je suppose que tant qu'il est là, c'est en train de compléter... nourriture, ouais, le feu s'est remis au maximum. Donc si je suis près d'une flamme, c'est bon, on gère l'hypothermie comme ça. Donc c'est cool, en plus d'aller tuer des dieux, on a ce côté survival qui s'ajoute. Oh, un petit fruit de plus, on va le manger. J'ai pas l'impression quand même que ma faim augmente. Le petit camembert par contre est légèrement plus gros, donc oui, en fait c'est sur la durée quoi. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Incroyable. Ah ouais, non, là par contre on est pompé sur Zelda là. On a un parachute. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait rien?
fallait en fait tirer dessus avec le grappin. On va voir d'abord ce qu'il y a là-bas avant d'aller dans le dans cette porte qui vient de s'ouvrir. Une arme de corps à corps. Un gros bout de bois. Donc il va y avoir en plus des ennemis. Contrairement à Shadow of the Colossus, parce qu'il n'y avait que les colosses à affronter. Il n'y avait pas d'ennemis entre. Bon, ça, ça lui fait rien. Et un arc. Bah dis donc, on trouve tout rapidement ici. D'accord, donc flèche de gauche. D'accord, ah ok, si j'appuie, ça vise vers là, d'accord. Bon, ça a rien fait. Oh! Faut s'en approcher pour les créer. Enfin, pour qui, là? Pour qu'il se réveille. Bon, ça me rend deux coups, ce machin. Est-ce qu'on peut faire une attaque plongeante? Non. Quand on saute, on ne peut pas frapper. Pourquoi il me frappe pas? Ah, oh oui, 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 effectivement. Non, non, ils sont hostiles. Je me suis dit, est-ce que je tape des alliés depuis tout à l'heure? Mais pas du tout. Ah, il y a de quoi quand même. Il y a pas mal de flèches. Et il y a un autre arc à côté. Pourquoi il y en a plusieurs? Je pense que je vais devoir en changer souvent. Ils vont se... Ah, je pense qu'ils vont se péter souvent. C'est quoi la... Qu'est-ce que c'est qui... En bas à droite, il y a un petit logo. Il y a le logo de l'arc. Pourquoi le bout en haut, il n'est pas affiché? Est-ce que quand le dessin est plus propre, il est de meilleure qualité? Bon, on peut péter les trucs pour pouvoir... Non, on peut pas l'améliorer. Ok. Ouais, non, on peut donc détruire, on peut réparer. Et on peut sûrement lâcher, équiper. Les caisses, ça se pète pas. Bon, on va quand même regarder ce qui se passe là-bas. On peut vraiment s'agripper à pas mal de choses quand même. Ok, il y a des dégâts de chute. Mais en fait, je suis con, oui, je viens d'avoir un parachute. Pourquoi je me dis... Enfin, je me pose de ces questions parfois. Je me demande en fait si on peut vraiment réparer. Si on obtient autant de d'objets, ouais, si, on peut. Si on obtient autant d'objets, alors quel est l'intérêt de réparer s'il faut les changer souvent? Je sais pas. Non, je pense qu'en fait, le petit symbole en bas était un indicateur de qualité, en fait. Il va falloir trouver les meilleurs objets. Où se trouve le prochain lieu? Par là-bas. Eh bien, avant d'y aller, on va quand même aller voir ce qui se passe dans cette petite dans ce petit donjon qui s'est ouvert précédemment. Et après je pense que je m'arrêterai parce que bah j'ai pas envie de vous spoiler le prochain combat tout simplement. Til forna reddusk segir að ganga þessi helglond. En nú ert þú komin og biður oss Ég sé pa, trois cadavres. Hverjar ver eru? Of aldir varum þér systur mörgnafn kallar. Spákona. Dís.
völva, kýr, nord. Einu sinni sáum við orlóg þessarar veraldar. Gretim ver, hve fjarri veröld hafi staupsk, hefðum ver augu. En ef þú ert komin að bjarga veröld þinni, að lúka sóttinni og kvöl, þú ert komin of seint. Þessari veröld allt týnt þér. Margir varu komnir áður, með ofsa og sverð og réttlæti þeirra. Oh, une épée, mais ça va être beaucoup plus utile que mon vieux gourdin. Þeir afleiði sannindi var, letu þeir oss her að flosna. Og svo höfum við beðið í þessum rónarstað hér til. Undarlegt, af því ert þú komin. Við höfum og mikinn skada haft. Donc à chaque fois que je tue un dieu, peut-être que je dois poser son totem. Je sais pas si ce sont mes totems en haut à droite là que je cumule. Ou si c'est le totem du dieu que j'ai posé. Segður svo, þú hefur hafið, fyrsta stíg til staðar þíns. En ver var, en ver vör, sjá vegur skal gjald þurfa. Morg kroptug morg dyljaski gólgarnar fara enn þetta land. Þessi morg þarf þú að finna. Þá eina má aganum snúa í lag og ný veröld lifa. Ring þú bjóllurnar. Bon, déjà on va aller de suite récupérer l'épée. Ah ouais, mais il y en a trois. Ah oui, non, mais il va falloir vraiment en fait changer souvent, en fait ça va se casser. Ah, elles sont détruites. Ah, le petit logo en bas, c'est la durabilité. D'accord, c'est pas un truc de qualité. D'accord, donc en fait, s'il y en a beaucoup, c'est pour pouvoir les détruire, sûrement, et créer du consommable pour réparer. Enfin, ça paraîtrait plus logique, du coup. D'accord. Donc j'ai pété, j'ai pété l'arc le plus... Hein. Mais oui, mais je suis un idiot, j'ai tiré deux flèches sur les statues juste avant. C'est pour ça qu'il était moins... Qu'il était plus affecté, qu'il avait plus de... d'usure. Bon, mais je suppose qu'il faudra faire ça, tac. On va la jeter, juste pour voir, elle est abîmée par le froid. Près du feu. Ça va mieux là du coup? Je teste des trucs. Hein. Non, pas du tout. Bon, je vais pas m'amuser à toutes les détruire, mais bon, en détruire une, ça a permis de me... de récolter de l'acier, donc je suppose que je vais avoir d'autres objets qui me permettront d'améliorer ou de réparer ne serait-ce que ces épées-là. Et faire le tour de ce sanctuaire, j'ai un peu la flemme, donc on va y aller. Bon, on va se stopper dans quelques secondes, histoire au moins d'aller vers le boss, comme ça, ça vous permet de voir... Le pseudo open world qui s'offre à nous pour aller chercher les différents dieux à buter. Ah, j'ai réveillé l'autre. Je vais crever. Donc ça, bon, de toute façon, ces trucs-là, c'est des récepteurs pour le grappin. Oh, j'entends une petite brillance, qu'est-ce que c'est? Oh, un totem!
Est-ce que ça va m'en faire deux? Oui, parfait. Donc deux totems. Allez, allons vers le boss. Et terminons ce gameplay découverte. En espérant que ça vous plaît. Oh mais oh, ça me suce l'endurance comme jamais là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, faut pas que j'abuse du parachute. Hein. Ou alors que je me l'augmente grave l'endurance. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, je suis hypé. Je le trouve vraiment sympa parce que bon, il y a des ennemis et surtout il y a des armes. Donc oui, forcément qu'on a trouvé des ennemis. Je peux pas les toucher. Qu'est-ce que c'est que ces objets-là? Est-ce que ça me permettrait pas de les buter? Non. Ça n'a... Oh, il y a une tourelle qui m'attaque. Non, bah, je me casse. Ah ouais, non mais oui, mais faut se calmer. Je pense que je dois pas avoir les objets nécessaires pour pouvoir flinguer des spectres à mon niveau. Allez, on va aller vers le boss, on va les oublier un peu. Ah ouais, donc non, mais effectivement, il y a des ennemis, peut-être un principe donc de phasing map, vu qu'on n'a pas le niveau actuel pour pouvoir... Qu'est-ce que je viens de lancer? Pour flinguer les différents ennemis qui se trouvent sur la map... Qu'est-ce que c'est que cette tentacule spéentai là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh mais c'est le dieu! C'était donc ça, c'est une bouche avec les dents! Oh! Ah ouais, il m'envoie des ogives. Oh putain, ça détruit les murs. Bon allez, j'en spoil pas davantage. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao!